Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui donc on va se retrouver sur un nouvel enseignement que je vais vous faire donc sur la parole de Dieu. Donc je vous avais fait donc une vidéo précédente concernant donc les forces spirituelles démoniaques sur lesquelles nous devons combattre. Et je vous avais donc expliqué que j'allais vous faire une vidéo par rapport aux armes spirituelles que Dieu nous donne, mais à notre disposition. Et vous allez voir que ces armes spirituelles sont tout simplement là pour nous aider à vaincre les tentations que Satan et son armée démoniaque mettent en place sur Terre. Et vous allez voir que ces armes spirituelles sont vraiment redoutables et puissantes. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, ces armes spirituelles, vous allez les trouver donc dans Éphésiens à partir donc du chapitre 6. Donc, généralement, ça commence vers le verset à peu près 14. Donc, déjà, Paul nous explique que ces armes spirituelles sont au nombre de 6 et qu'il va falloir donc les utiliser pour justement contrer les plans de l'ennemi qui, je le rappelle, n'est pas là pour se croiser les bras et attendre patiemment qu'il soit jeté par le Seigneur Jésus dans la géhenne, mais il est là tout simplement pour nous tromper, nous détruire, nous faire douter, nous faire trébucher, nous faire pécher, nous faire retomber dans l'iniquité, nous accabler, nous mentir, nous faire avoir des chutes de foi. Voilà, donc ça peut vraiment être nous donner voilà, une paresse spirituelle, c'est-à-dire un manque d'envie de prier, ou éventuellement aussi carrément nous faire adorer le monde, c'est-à-dire retomber dans toutes les choses du monde et du coup oublier Dieu, mettre Dieu au second plan, et chose qui n'est vraiment pas bien du tout. Donc il faut bien en prendre conscience, ces choses-là. Satan est très puissant, c'était un ange vraiment très puissant du paradis, il a emmené avec lui donc un tiers du paradis, donc ça fait quand même vraiment des milliards d'anges, et ces anges déchus, donc qui sont actuellement donc des démons, sont sur Terre et agissent vraiment quotidiennement pour nous faire chuter. Dieu nous donne ces armes-là et vous allez voir qu'elles sont relativement puissantes et efficaces. Donc, premièrement, dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, la cuirasse de la justice. Nous avons un complément qu'on peut voir donc dans Ésaïe 59, verset 17. Il revêt de la justice d'une cuirasse. Donc, en fait, cette cuirasse de la justice, c'est tout simplement le plaisir et le goût que l'on va avoir à pratiquer non pas la justice des hommes, que l'on doit bien sûr suivre, hein, mais on va prendre plaisir à pratiquer la justice de Dieu en restant sur son droit chemin. C'est-à-dire, par amour pour notre Seigneur, par amour pour Dieu, nous devons nous battre quotidiennement pour pratiquer sa justice. Tiens, j'ai l'opportunité de m'enrichir en volant, par exemple, du matériel sur un chantier. Ce matériel va me ramener 500 euros de plus sur mon salaire, c'est très intéressant, mais j'obéis au commandement de Dieu, je ne vole pas, je refuse ce vol, je me prive des 500 euros. Je suis, dans ces cas-là, vraiment élevé par rapport au Seigneur, qui est vraiment fier de cette action. Et donc, je revais la cuirasse de la justice de Dieu au premier plan. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'imprégner, connaître les 10 commandements, connaître les commandements du Seigneur également, de Jésus qui a donné les 2 supplémentaires à la table des 10 commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Pardonner son ennemi, ne pas voler, ne pas faire d'adultère. Jésus a durci les lois de l'Éternel par rapport au salut. Donc ça, il faut en prendre conscience, il faut bien connaître sa parole et il faut vraiment se familiariser avec cette cuirasse de justice pour éviter de sortir des rangs sans même qu'on s'en aperçoive, car Satan est aussi un menteur et un manipulateur et il vous fera sortir des rangs parfois même sans même que vous vous en aperceviez. Donc ça, prenez-en vraiment conscience, mes frères et sœurs. Ensuite, nous avons donc « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture ». Éphésiens 6, verset 14, Jésus dit « Je suis la vérité ». Donc, « Ayez la vérité pour ceinture », pensez toujours à Jésus, mes frères et sœurs. Jésus s'est sacrifié pour nous. Il était là avant la fondation du monde. Il n'était pas obligé de venir sur terre pour nous sauver, il aurait pu rester sur son trône de gloire, mais il s'est humilié, il s'est rabaissé et il s'est fait détruire physiquement, psychologiquement sur terre par amour pour nous. Ça, faut vraiment en avoir conscience. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Donc ayez cette ceinture de la vérité, cette ceinture d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous et qui reviendra nous sauver à la fin des temps.
donc dans pas forcément très très longtemps, vu l'ampleur des signes actuels que nous avons sous nos yeux. Ensuite, l'épée de l'esprit. Donc là, dans Éphésiens au chapitre 5, verset 17, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Donc là, ce passage-là vient de Hébreux chapitre 4, verset 12. Donc bien sûr, la Bible. Lisez la Bible, imprégnez-vous de la parole de Dieu. C'est comme ça que vous allez prendre conscience de certaines de vos erreurs, prendre conscience de certains de vos péchés et rectifier tout simplement le tir pour vous remettre tout simplement dans le chemin de Dieu et de vous éloigner des péchés et des tentations de ce monde et que Satan met sur notre route. Donc bien sûr, il faut méditer la Bible, la lire, la comprendre, la partager quelquefois quand on n'arrive pas à comprendre certains passages. Faut pas hésiter, les frères et sœurs sont là. Si vous avez des amis chrétiens ou chrétiennes, eh ben ils pourront peut-être vous apporter des réponses pour vous commencer à vous lancer dans la foi pour ceux qui débutent ou pour ceux qui sont déjà dedans, avoir un petit peu plus de précision, un petit peu plus pointu, un peu plus poussé sur la parole de Dieu, sur certains chapitres que vous avez du mal, par exemple, du mal à comprendre. Mais sachez que quand vous priez Dieu et que vous demandez son Saint-Esprit, que vous êtes baptisé par le Saint-Esprit vous aidera quotidiennement, tout simplement, à comprendre cette parole. Demandez simplement au Seigneur la compréhension et l'intelligence de comprendre sa parole. Et vous verrez que tout deviendra limpide, clair comme de l'eau de roche. Ensuite, donc dans Éphésiens chapitre 6 verset 17, prenez le casque du salut. Ayez pour casque l'espérance du salut, qu'on peut voir aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8. Ayez pour casque l'espérance du salut. Ça, c'est vraiment la base de chez la base. Le casque du salut est vraiment cette espérance et cet amour qu'on a. Jésus nous donne l'assurance à 100% d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, d'avoir le salut. Donc ça, il faut le revêtir, ce casque de l'espérance du salut, et que ce soit notre motivation numéro 1 dans notre combat dans ce monde. Sachez que vous avez un parcours à faire, il y aura des embuscades. À chaque fois que vous franchirez des embuscades, vous aurez cette fierté d'avoir donné au Seigneur de l'amour et lui avoir montré que vous êtes un courageux dans votre combat spirituel. Et ce casque, voilà, vous visez la ligne d'arrivée, vous visez l'espérance du salut. Ça, c'est vraiment une motivation ultra puissante que Dieu nous donne et que Jésus, bien sûr, nous a promis. Donc ensuite, prenez le bouclier de la foi, Éphésiens 6, chapitre 16. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bien sûr, notre foi doit être inébranlable. Ne vous laissez pas perturber par des gens qui sortent des mensonges, par des gens qui essayent de vous faire chuter en vous disant des mensonges. Sachez que toute forme de mensonge sort de la bouche du malin. Le malin peut utiliser des gens pour vous persécuter, pour vous mentir, pour vous détourner du chemin de la vérité. Sachez une chose, nous l'avons vu dans la parole de Dieu. Quand on vous dit que la Bible a été falsifiée, quand on vous dit que Jésus n'a pas été crucifié, Jésus n'est pas ressuscité, on a malheureusement à l'heure d'aujourd'hui des gens qui sont persuadés de certaines choses, qui n'ont pas forcément une grande connaissance et qui avancent des choses complètement fausses. Donc Jésus nous a enseigné là-dessus, nous a expliqué, et les apôtres également, que nous devons garder une foi inébranlable pour pouvoir vaincre les plans de l'ennemi. Sachez qu'il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ. On ne peut pas être réconcilié avec le Père, nous les pécheurs, et qui sommes d'autant plus non pas du peuple élu d'Israël, hein, nous sommes simplement des nations extérieures au peuple élu. Jésus nous a donné la grâce de pouvoir accéder au trône de Dieu, au paradis, à la vie éternelle, par justement son sacrifice. Quand on rejette son sacrifice, quand on rejette sa crucifixion, sa résurrection et sa divinité, car Jésus l'a dit lui-même, il est une partie de Dieu, son bras droit, il était là avant la fondation du monde, et il est tout simplement le plan d'action de Dieu qui est venu sur terre. Et ça, quand on rejette toutes ces choses-là, on se condamne d'avance. Ça, c'est clair, net et précis, la parole de Dieu le dit clairement. Donc, ces choses-là, Jésus l'a dit, il est le seul chemin qui mène au Père. Nous devons mettre notre confiance, notre foi en lui et garder cette foi inébranlable en notre Seigneur Jésus-Christ.
Ensuite, nous avons donc, pour terminer, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix, Ephésiens 6, verset 15, chapitre 6, verset 15. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Ésaïe chapitre 52 verset 7. Donc bien sûr, ayez à vos pieds l'évangile de paix, le zèle, voilà, les chaussures du zèle, c'est-à-dire tout simplement cette joie, ce dynamisme et cet engouement à proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux, à proclamer que Jésus est assis à la droite du Père, qu'il revient bientôt et qui nous apportera notre récompense par rapport à tous nos sacrifices, par rapport à tout notre dévouement que nous lui aurons donné durant cette vie terrestre. Sachez que, voilà, il faut avoir ces chaussures de zèle. Ces chaussures de zèle nous encouragent, nous permettent non pas de marcher, mais de courir à travers le monde pour proclamer la bonne nouvelle, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le cadre d'une soirée, au travail, n'importe où, prêcher la parole de Dieu. N'ayez pas peur, ne soyez pas timide, la timidité vient du malin. Annoncez que Jésus est vivant, annoncez que Jésus aime n'importe qui sur terre malgré les péchés, qu'il est prêt à pardonner si on se repent avec sincérité. Suivre Jésus, c'est avoir l'assurance du salut et nous devons donc revêtir ces chaussures du zèle quotidiennement également. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que cet enseignement vous aura permis de voir un petit peu plus clair sur les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. Si vous pratiquez et vous mettez en application l'ensemble de ces armes spirituelles quotidiennement, vous verrez que Satan fuira loin de vous et vous serez toujours victorieux pour l'amour de notre Seigneur. En tout cas, mes frères et sœurs, soyez bénis abondamment. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, on essaiera d'aborder des thèmes différents. Voilà, pour essayer de vous fortifier, de vous encourager dans la parole de Dieu. N'oubliez pas une bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Donc, soyons fortifiés, soyons irrépréhensibles. Car son retour se fera avec une grande joie et une grande gloire. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt, mes frères et sœurs. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt.
Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous.